Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle partie sur Resident Evil 7. Eh ouais, et du coup on est parti, la dernière fois on s'était arrêté juste ici, l'autre cinglé il m'avait souhaité mon anniversaire. Et du coup il y avait des bruits chelous derrière cette porte. Alors on était parti pour voir qu'est-ce qui se cachait derrière cette porte. J'ai bien sûr repris mes armes et tout. Ce qu'on va faire par contre, c'est que je vais ranger, non pas ça, voilà, je vais ranger ça là-dedans. On va garder tout ce qui est lance-grenade et tout, stylo plume on va ranger. C'est quoi sa tête de série? Ah la tête de série, je vais en avoir besoin. Mais je vais la mettre dans le coffre pour l'instant. Ouais. Alors, et puis c'est bon, on est parti, c'est impeccable. Et allez, let's go. Il y a déjà des bruits chelous. Eh, j'avais pas ramassé ça. Le plan de la zone de test, heureusement que je regarde derrière moi. Allez, c'est parti. Let's go. Oh. J'ai pas entendu Ah, tu vois, je t'avais pas dit que j'avais entendu un bruit bizarre. Putain, attends, ça me fait chier d'utiliser une balle pour lui. Voilà, nickel. Ok, on est parti, on va par là. Intéressant. On avance bien gentiment. Ah ok, mais d'accord, mais je connais par là. Ça me dit quelque chose. Non? C'est pas ouh, donne-moi ça. C'est pas vers la vieille baraque ça? Attends. Déjà, il me faut, ah putain merde, il me faut la manivelle. Je vais aller la chercher, elle est dans le coffre. Ouh, et puis j'avais pas vu ça aussi. Donne-moi ça. Voilà, c'est parti. Let's go. On va mettre ça. Ok, c'est nickel. Allez, vas-y, mouline. C'est bien, c'est impeccable. Et bah voilà. Allez, on y va. J'ai pas laissé des trucs derrière moi? Non, ça a pas l'air, hein, tranquille. Et bah allez. J'arrive, Mia, dit-il. D'accord, très bien. Alors attends, pour accueillir Mia, bien gentiment, je vais quand même prendre mon flingue. Au cas où, on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Et ouais. Et non, j'étais pas passé par ici. En tout cas, ça me fait penser au décor de la vieille baraque. Je sais pas pourquoi. Attendez. Par ici ou... Ouais, bon, bah ça doit être par là. Putain, comment que c'est glauque, c'est macabre là-dedans. Ouh, ça je prends. Ça, je prends. Ouais, donne-moi ça. Ouh. Je trouve qu'il me donne vachement de munitions. Hein? D'habitude, je me plains quand il m'en donne pas assez. Mais en général, quand il vous en donne beaucoup comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, voyez-vous. Ce qu'on va faire, je vais plutôt faire des remèdes. Voilà, on va faire des soins. Ok, et on est parti par ici. Je vais prendre mon fusil à pompe. T'inquiète pas, on va y aller bien gentiment. Ça va le faire. C'est quoi ici? Ah, j'ai besoin de la manivelle ici, ok. Et bah vas-y, fais péter, c'est parti, let's go. Voilà, impeccable. Ah ok, va falloir que je passe de l'autre côté du coup maintenant. Voilà, donne-moi ma manivelle. Ouh, j'avais pas vu ça. Cartouche de fusil, je prends. Très bien. Bon, et bah c'est parti. Ouh. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, prends ça dans ta tête. Ok, let's go. J'espère qu'on va pouvoir y aller tranquille, sans trop bouffer de munitions. Non, mais j'ai pas le temps. Non. Dégagez. Non, parce que si je m'arrête à tuer toutes les bestioles, je passe le pont là, j'ai plus de munitions, mon vieux. Je me retrouve à poil. Non, dégage, mon vieux, j'ai pas le temps. Casse-toi, lâche-moi. Oh putain, attends. Va peut-être falloir que je prenne le temps au bout d'un moment, attends. Non, quoique non. J'ai pas le temps, les gars. Dégagez, voilà. Non, parce que je vous dis, c'est bon. Si je m'arrête à chaque coin de rue, j'ai plus de balles, quoi. C'est fini. Donc voilà, je préfère, quitte à me prendre un ou deux coups dans la gueule, économiser quelques munitions, vous voyez. Et puis, voilà, comme ça, c'est pas mal. Regardez, on va être plutôt bien, là, hein. Ah, poudre à canon, bien. Ouh, des grenades incendiaires, vas-y. Je vais poser quand même des trucs dans mon coffre. La manivelle, je sais pas si j'en aurai encore besoin. Ceux-là, je vais les poser, les psychostimulants. C'est pour trouver des objets dans les alentours. Donc, lance-grenade et tout, le reste, on va garder.
les suppléments, je les pose. Ça, c'est pour faire des grenades. Voilà, on va garder le reste, la poudre à canon et tout, on garde. Ok, c'est parti, let's go. Putain, fait chier parce que... Va falloir que j'utilise un remède. Alors, faut que je fasse gaffe parce que c'est vrai que... On m'a dit pas mal de fois que j'utilisais mes remèdes un peu trop vite. C'est pas faux. Mais ça me perturbe quand je vois des taches de sang sur l'écran, voyez-vous. Ouh, bah salut les filles. Mia. Salut les filles. Mia. Est-ce que c'est toi? Zoé. Pourquoi vous ne parlez pas? Zoé. Pas maintenant, on n'a pas le temps. Ah. Est-ce que tu as les ingrédients? Oui. Oui. Ah merde, ah bah oui, il est dans le coffre le bras, je vais le chercher. Oui, par contre, je peux pas ramasser ça là. Ah merde, c'est dommage. J'arrive, je vais chercher le bras, il est dans mon coffre. Allez, tu veux les ingrédients? Eh bah tiens, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Vas-y, prends. Prends le bras. Tiens, vas-y. Est-ce qu'elle en veut? Attends. Ah voilà, c'est Mia. Tiens. Ouh, je l'aurais pas détaché comme ça moi. Tu sais, elle est encore à moitié Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Déjà, tu vas parler mieux que ça, pour commencer. Voilà, ensuite je vais te les donner, bien gentiment. Mais je veux bien, mais comment que je fais? Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. On va pas être copains, hein, tous les deux. Ouais. Tiens. Prends-les, tes putains d'ingrédients, là. Vas-y. Vas-y, tiens. Comment qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Fabriquer le sérum, donner les ingrédients du sérum à Zoé. Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Ah oui, oui, bah oui, bah tais-toi, deux secondes. C'est vrai, j'ai oublié la tête. La tête, elle est dans le coffre. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Dépêche-toi de me donner les ingrédients du sérum. Tais-toi, s'il te plaît. Je les ai. Ça suffira, ok. Non, si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Papa? Il y en a assez pour deux. Il est pas mort, papa? Je l'ai pas défoncé déjà, à la tronçonneuse? Vas-y, fais ce bon, que t'as à faire. On fait le sérum et ensuite. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais okay. Aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Vas-y, fais. Hein. Vas-y, donne. Je prends. Hé hey, okay. Il y en a un pour moi. Oh. Oh. C'est toi, papa? Oh putain! Ce délire! Wow! Ok! Bon, bah lui, je pense que déjà. Ouais, t'inquiète pas! T'inquiète pas, j'arrive, j'arrive! Vas-y! T'inquiète pas! Tiens, mon vieux! Prends celle-là un petit peu! Voilà, je pense que déjà. Voilà, donne-moi des cartouches. Ah, ça c'est pas mal. Il y a pas mal de cartouches. Vas-y, remède, 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 remède. Remède. Merde, je suis tombé dans la flotte. Ah, faut que j'y nique tous ses yeux en fait. Vas-y. Vas-y, vas-y, viens. Viens là. Voilà, ok. Ça c'est cool. Allez, viens là. Viens. Oh putain. Il veut pas venir, hein. Marguerite? Bah Marguerite, elle est rincée, mon vieux, c'est bon, là. Tiens, prends ça. Voilà, alors. Est-ce que ça te les fait, les pattes, un petit peu, là? Attends, donne-moi, là, s'il y a des balles, je prends. Hein. Je prends, je prends. Ouais, t'inquiète, je vais y sortir d'ici. Putain, comment qu'il est chaud, mon vieux. Attends, il y a une caisse, là. Vas-y, je vais prendre la caisse. Des balles, ok. Tiens, voilà. Oh putain, il descend. Je monte. Il descend, je monte direct. Vas-y, y a pas moyen. Je dégage de là, c'est bon. C'est bon, c'est le dernier, voilà. Allez, viens là. Putain, le bâtard. Je vais t'attraper. Voilà, c'est bon. Yes. Voilà, là, il en a plus, là. C'est bon là, il est rincé, non? Et je remonte quand même au cas où, mais... Il voit plus rien là, normalement. Ouais, je crois qu'il est aveugle là, c'est bon. Oh, il s'est barré, il s'est barré. Yes. Non. Ah, ah. Le... Oh, le bâtard. Tiens.
Vas-y, prends ça. Dis-moi pas que... il a ressuscité. C'est bon là, il est secoué là. Oh, il y a une caisse là-bas. Merde, il y a une caisse là-bas. Je crois que j'ai tout vu. Cette fois, je crois que j'ai tout vu. Bah ouais, tu m'étonnes. Putain, comment je peux faire pour aller à la caisse là-bas? Ah, c'est con ça. Oh, par contre, il y en a une là. Je prends. Ethan, par ici. J'arrive. Merde. Oh putain. Oh le salaud. Vas-y, vas-y. Nique le Ethan. Utilise le sérum. Tiens. Prends ça. Voilà. Ça fait du bien, qui dit? Ce délire, mon vieux. Comment qu'il était chaud. Est-ce que ça va? Ouais, vite fait, ouais. Tranquille. Allez, viens. Mia, disons que je m'en remettrai. Tranquillement. Voilà. Par contre, vas-y, Ethan, là. Vas-y, hein. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que je peux pas aller chercher... Ah, attends. Il y a une caisse ici. Voilà. Eh ouais, je pars pas sans ça, moi, c'est mort. Putain, il y avait des balles là-bas et tout. Merde. Ah, c'est con, quoi. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Je trouve que j'ai pas usé tant de munitions que ça, franchement, pour l'avoir. Ça va, je m'en suis plutôt bien sorti sur ce coup-là. Alors, les filles? J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. Et on est trois. Il y en a plus qu'un. Dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, je vais me l'injecter, je me barre de là. Ah ouais, ok, d'accord. Mia ou Zoé? Zoé me regarde de travers. Mia, elle est une manipulatrice. Allez, vas-y, Mia. Depuis le début, c'est toi que je cherche. Allez. C'est bon. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Ah! Désolé! Partez tous les deux! Merde! Viens avec nous. Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. Et si je l'aurais donné à Zoé, ça aurait fait quoi? J'enverrai de l'aide. Ouais, en fait, il y a... pas la peine. Il doit y avoir deux fins différentes, quoi. Il n'y aura plus personne à secourir. Merde. Désolé, Zoé, désolé. Désolé. Ah, ça me fait chier de la laisser. Pas faire autrement. Hein? Eh, ma parole, t'as pas intérêt de retourner ta veste, toi. Parce que franchement, voilà quoi. J'ai quand même passé la picouse. Hein. Alors. Hein? T'as pas quelque chose à me dire? C'est tout ce que tu racontes? Et je comprends pas, elle. Je l'avais défoncée, elle. Merci. Mais c'était pas elle, en fait. Qui d'autre aurais-je pu choisir? Ethan! Putain, c'est con, je peux pas regarder Mia, derrière moi. Je sais ce que tu as enduré. Mais il faut qu'on parle. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein? Je crois bien, ouais. Écoute, je veux juste la vérité. Ethan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaie. Elle veut pas se souvenir. Waouh, c'est quoi ça? C'est le bateau. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Ce délire. C'est quoi ce délire, mon vieux? Oh ça va. Qu'est-ce que c'était? Je plonge pas là-dedans, moi. Ah bah Oh putain, ouais, c'est clair. Ce délire. Non. Ah bah laisse tomber. C'est bon. On est foutu là. Maman. Par ici. Ah ça c'est la petite fille Ouais. Donc ce serait la petite fille de Mia alors. Ah. On est Mia. Ok. Nous sommes Mia. Cet endroit. Ethan. Ah merde, du coup on a perdu Ethan quoi.
Bon bah écoutez, visiblement on n'a pas trop le choix, ça va être par ici. Et ben let's go. Un étrange flacon trouvé dans votre poche à votre réveil chez les Baker. C'est probablement important. Ouais, du coup je vais peut-être le mettre là. Ça peut toujours servir. Bon, et ben let's go dans l'épave du bateau. Allez, c'est parti. J'aime pas ça évoluer sans armes, tu vois, dans les Resident Evil. Surtout quand tu vois des trucs comme ça. Ah bah attends, c'est pas Ethan ça? Ethan? Ah bah Ethan. Si. Ah non! Ethan! Ethan! Pas possible! Non! Ethan n'est pas mort! C'est pas possible. Attends, par là ou on va passer par là? Non, ce délire. Arrête. Ethan? Y a rien par ici, d'accord. Ah bah si, y a une porte. Vas-y. Ouh, ça m'a l'air bien rouillé. Non, c'est pas possible. Ethan, il meurt pas comme ça. Non. Ça peut pas être la fin pour Ethan. Oh. Ok. Let's go dans les entrailles du vaisseau de l'angoisse. Le vaisseau de l'angoisse. Il était bon ce film. Dans l'épave d'un bateau, pareil. C'était un bateau hanté et tout. Il est trop bien. Je sais pas si vous l'avez vu. Un vieux film et tout. Attends, attends, attends. Oh. Ah, ok, d'accord. D'accord, des petits flashbacks et tout. Tranquille. On va monter là-dedans. Ethan? En tout cas, c'est sombre. Hein. C'est vachement sombre. Putain, si je pouvais ramasser un fusil à pompe là ou quelque chose là. Oh, ce délire! Non! Comment que c'est trop bien fait quoi? C'est l'équipage quoi. Non! Oh, le délire! Bon, ok. On va continuer bien gentiment. Je sens qu'il y a un truc qui va me sauter sur la gueule dans pas longtemps. Oh, le jeu. Le jeu serait vraiment salaud de me faire ça. Sachant que j'ai aucune munition, j'ai pas d'armes. Normalement, dans la logique des choses, il devrait rien m'arriver. Sauf si je trouve une arme. Bien entendu. Je pense. Mais ce jeu est tellement fourbe. Vous savez jamais ce qui peut vous arriver. Ouh, c'est quoi ça? Je peux pas ramasser? Ah non, je peux pas. Oh! Ils sont morts. Ils sont tous morts. Oh, le bâtard, il m'a foutu les boules. Qu'est-ce que tu dis? La salle des machines. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Elle les a tous tués. Qui ça? Mais, qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Putain, comment qu'il m'a foutu les boules? Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire? Je sais rien, mais... Ah, ok. Bon, bah vas-y. Je suis. C'est parti. Est-ce que vous êtes vraiment sortis d'ici, les gars? Moi, je pense que je vais les retrouver. Oh putain, c'est quoi? Je vais les retrouver. Ils vont être dans un sale état. Bon. Visiblement, ce n'est pas par là. C'est pas rassurant d'évoluer là-dedans. Oh! Ethan? Ok. Ou ça fait penser un petit peu aussi au jeu Monstrum. Quand t'es dans le bateau et tout. Je sais pas si vous connaissez Monstrum. Putain, l'ambiance glauque quoi dans le bateau et tout. C'est quoi ça? Registre de l'équipage, Captain Ed Carlyle, chef mécanicien Paul. D'accord, ok. Et bah disons, il y avait une belle équipe. Ok, ok, d'accord. She's not my shield. Ouais, elle n'est pas ma fille. Ok, d'accord. Bon. Et bah écoutez. Visiblement. Oh, attends. Oh! Vous voyez ce que je vois là-dedans? Ouais, je l'ai vu. Allez, vas-y. Ouvre ça. Ouais, bah je l'avais vu. Il m'a pas surpris. Il devait sûrement se cacher pour échapper à quelque chose. Ouais.
Effectivement, ouais. Bon, écoutez, on se casse de là. Ouah, comment que c'est chaud. Attends, dis-moi pas que... Non, non, je te jure, ils vont se réveiller. Elle est dans... Elle est en moi. Elle est en chacun de nous. Je pense qu'il parle du parasite. Ok. Tu me fais pas le coup de... Tu vas te réveiller, toi, non? Non? Non, bon, bah, visiblement, écoutez, ça va tranquille. Petite douche et tout, tranquille, au calme. On va sortir de là. Oh, j'ai cru entendre... J'avais cru entendre un espèce de monstre et tout. Waouh! Ok. On est dehors, cette fois-ci. Attends. D'accord. Oh, le délire! Mais... Oh! Putain! Waouh! Ah, c'est elle, le démon! Non! Est-ce que tu te souviens? Non. Quoi? Qui es-tu? Non, comment qu'elle fait bader? Allez, vas-y, bah avance plus vite. Faut aller la niquer, là, non? Attends. Et moi, elle me fait bader. Putain, ça s'est refermé derrière moi. Ah non, c'est bon. Vas-y, je préfère fermer tout seul. Voilà. Ok, on monte. Oh, j'espère qu'elle va pas m'attendre en haut de l'échelle. C'est le bad si elle est en haut de l'échelle, je vous le dis direct. Crise cardiaque assurée, quoi. Petite. Et mais franchement, là, j'aurais un fusil à pompe sur moi ou quoi? Je l'aurais déjà niqué depuis longtemps, la petite, là. J'ai remis une balle, mon vieux. Elle aurait pas fait longtemps, quoi. Attends, c'est le démon incarné, ça se voit direct. Je veux dire, y a pas besoin d'être voyant, quoi. Elle, elle a quelque chose qui va pas, quoi. Elle est contaminée, quoi. Enfin, la petite, c'est même pas... Oh, regardez. Elle, c'est, elle a même pas le parasite ou quoi. J'ai l'impression qu'elle, c'est le démon. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. J'ai l'impression que c'est elle qui contrôle tout. Tu... L'a dit! Ouais. Attends! Attends. Attends, deux secondes. Je vais voir s'il n'y a pas un fusil là-bas. J'arrive. Parce que c'est pas le tout, mais. J'ai envie de voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser avant. Attends, il n'y a même pas une petite. Ah non, bah attends! Bah arrête! Il peut pas me faire ça, le jeu! J'ai pas d'armes! Tu peux pas me faire ça! J'ai pas d'armes, quoi, les gars! Putain, mais. C'est quoi ce jeu? Je suis obligé de me casser. Non! Non, mais comment vous voulez que je fasse? C'est... Mais non! Mais comment vous voulez que je fasse, là? C'est pas possible. Attends. Je me casse, il y a une porte, là. Vas-y, cassez-vous! Casse-toi, dégage. C'est quoi, ça? Je prends... Dis-moi pas qui. Non, non, il va pas ouvrir la porte. Il est déjà trop tard pour nous. Bah ouais, mais tu m'étonnes, mon vieux. Mais là. Attends. Putain, il m'attend. Vas-y, j'ai le temps de faire la lecture, c'est bon, tranquille. Il est déjà trop tard pour nous, mais au moins je peux informer le monde de ce qui nous est arrivé ici. Comme j'étais de nuit hier, j'ai fait une sieste dans le dortoir vers midi. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu le rire d'une gamine, ou peut-être que c'était dans ma tête. Non, c'était bien la gamine. Je me suis levé à 19h30, il y avait du grabuge dans le couloir. Drew, l'un de nos mécaniciens, est entré et a dit que quelque chose se passait en bas. Peut-être une mutinerie. Son visage était blême. Il a décidé d'aller voir, mais il n'est jamais revenu. Ok ? Il devait être environ 19h50 quand j'ai entendu des hurlements. Je me suis rendu à la buanderie et j'ai vu Clark en train de se faire dévorer par une sorte de monstre tout noir. Cette chose s'est ensuite retournée et a commencé à venir dans ma direction en faisant claquer ses énormes dents pointues, semblables à celles d'un requin. J'ai crié comme une fillette et pris mes jambes à mon cou.
À l'heure où j'écris ces lignes, je suis recroquevillé dans le dortoir avec la peur d'être dévoré à mon tour. Les couloirs sont déjà infestés de ces créatures, il m'arrive encore d'entendre des hurlements, mais il est hors de question que je quitte ma cachette pour le moment. J'espère que quelqu'un trouvera cette lettre. Giovanni Finetti. Ok. Mais non, mais attends, il y a un bug là. Il y a un bug. Comment voulez-vous que j'avance dans le jeu si j'ai pas d'arme? Il y a une caisse là, je peux pas la taper. Comment c'est possible? Ah bah attends. Quoique l'autre il avait dit qu'il se cachait dans le dortoir. Donc du coup il doit être encore là. Non? Il y a peut-être une arme par ici. Attends, tranquille. Voilà, il y a peut-être un flingue. Non, il n'y a pas de flingue. Il n'y a rien quoi. Attends, vas-y, dis-moi que t'as caché un flingue quelque part. Janet, j'espère que tu vas bien. J'imagine que 6 mois se seront déjà écoulés lorsque tu liras cette lettre. La vie est si ennuyeuse ici. Tous les jours, c'est la même chose. La mer, encore et toujours. Mais c'est bien la mer. Encore, il y a tout de même un peu de nouveauté cette fois-ci. Nous avons des passagers à bord, ce qui n'arrive presque jamais. C'est un couple avec une petite fille. Je pense que ce sont des parents éloignés du capitaine. Tu t'imagines, toi, voyager sur un pétrolier au lieu d'un navire de croisière? Ils doivent vraiment être fauchés. J'ai essayé de parler à la petite tout à l'heure, mais son père m'a jeté un regard glacial. Pourquoi est-il aussi méfiant? Maintenant que j'y pense, il me semble que le capitaine a dit qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que je m'en fais pour rien. Tu me manques, je t'aime, Jim. Jim? Aurais-tu laissé un petit flingue ou un fusil à pompe dans le coin? Quelque chose Croisière sur l'Amazon, beauté du lagon noir. Arrête tes conneries. Oh, munitions pour pistolet. Ouais, d'accord, très bien. Où est le pistolet? S'il vous plaît. Où est le pistolet? Non. Attends, il y a une porte ici. Ferme. Voilà, il y avait une porte ici. Non. Mais non. Mais arrête. Putain! Fais chier quoi! Là, je sais pas comment je vais faire, j'en sais rien. Dis-moi qu'il y a moyen d'avoir un flingue dans le coin quoi. Attends. Par là. Vas-y, ouvre ça, Mia. Non! Arrête quoi! Putain! Sérieux? Comment qu'ils sont bien faits les effets de lumière et tout? Ça déchire quoi. Attends. Je vais essayer d'aller là. Il y a l'air d'avoir personne ici. Allez, vas-y, là, dis-moi qu'on va trouver un flingue, là. Putain, il n'y a rien, quoi. Ici? De l'herbe? Ok, je prends. Ça, bah ouais, je peux pas le taper. J'ai pas de couteau ou de flingue. Je vais essayer de pas faire trop de bruit, je vais aller par là. L'autre il est encore là-bas, il m'attend quoi. Attends. Oh yes. Il y a peut-être quelque chose ici. Vas-y, ferme. Ah toi, tu cherchais un flingue je parie. GG. Bien vu. Nickel. Eh ben c'est parfait ça. Yes, c'est bon, on peut y aller là. Attends. Il y a peut-être un couteau ici, non? Non, il n'y a pas de couteau. Ok, d'accord. Bon. On va y aller tranquille. Voilà. On va essayer d'aller fouiller dans les caisses. C'était ici. Vas-y, ferme. Voilà. Dis-moi qu'il y a un truc dans les caisses. De la poudre à canon. Je peux pas combiner... Bah non. Je peux pas. Il me faut des trucs chimiques quoi pour faire des balles. Je me casse, attends. Je me casse parce qu'il y avait des caisses ici. Ah, c'est quoi ça? Ah, faut que je trouve un truc. Ok, d'accord. Attends. Ici, il y avait une caisse, je crois. Voilà, c'est ici. Là. Un remède. Ouais. Ok. Je vais essayer d'aller affronter l'autre, là. Vas-y, viens, toi. Vas-y, ramène-toi. Vas-y. Voilà. Oh yes. 2 balles. 2 balles headshot. Oh, je l'ai mis mal.
Lui, je l'ai mis mal. Fusible universel. Ah. Bah, c'est peut-être ça qu'il me fallait aller savoir. Peut-être. C'est possible. Il y a quoi là-dedans? Ah bah voilà. Voilà. Je vais faire des petites balles, tranquille. On va faire ça. Hop. Et voilà, c'est nickel, c'est impeccable. Oh, attendez, c'est quoi ça? Munition de mitrailleuse? Arrête. Bah ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'on va trouver une mitrailleuse dans le coin. Fusible universel. Est-ce que le fusible ne se glisserait pas là-dedans, des fois? On sait jamais. J'ai essayé, tranquillement. Bon. Alors attends, non, le fusible à mon avis il va ici, voilà. Oh non! Mais casse-toi! J'ai pas envie d'utiliser mes balles pour lui. J'ai pas envie. Voilà. Putain, comment qu'il m'a foutu les boules quoi. Bon, je vais pas avoir le choix et puis c'est tout. Mais vas-y toi! Voilà, j'ai pas le choix. Putain! Merde! Dis-moi pas qu'il va falloir que j'utilise mon remède, quoi. Non? Ah, ça, ça m'embête un peu, quoi. Bon, on va monter tranquillement. Voilà. Oh, deuxième, troisième. Dis donc, il y en a des étages, mon vieux. Troisième, bon, ben. On va s'arrêter là parce qu'il y a une porte ici. Il n'y avait pas de porte aux autres étages. Ok, tout va bien ici. Ça se passe comme vous voulez. Oh! J'allais dire Mia, mais c'est pas possible. C'est pas Mia. On joue Mia. Ah non, c'est la petite fille. Regarde ça. Quoi? Quoi donc? Pourquoi? Tu dois te souvenir. Comme ça, on pourrait être une famille. Vas-y. Ok. Bon, attends, déjà, je regarde s'il n'y a rien à ramasser avant. Putain, si je pouvais y mettre une balle là. Je peux pas, le jeu veut pas que j'y mette de balle. Bon, et bah écoute, on va mettre ta petite cassette, hein, vieille cassette, vas-y. Allez, fais péter. Let's go, play. Match JH15A, test subject 001, 6 transport log, top secret. Ok, ça marche. Alan, ton état s'aggrave. Alan, il a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Notre corps ajoute une couche, oui, c'est bien de ta faute, oui, oui. Elle t'a pas attaqué? Non, je crois pas. C'est partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Il parle de la petite fille? Tiens. Il contient des échantillons de ses tissus. Il parle de la petite fille, je crois bien. Tu la retrouves. Tu répares tout ça. Ça marche. C'est Allez, parti. Evie, où es-tu? Evie. Ouais, c'est la petite fille. Ok, c'est parti. Division des opérations spéciales, directeur Alan Droney, responsable Mia Winter. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyn si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous avez donc pour ordre de la transférer vers notre branche centra-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn afin de ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. Ok. D'accord. Alors attends, j'ai quoi dans mon inventaire? À quoi ça va me servir ça? Un petit flacon contenant des échantillons de tissu d'Evelyn. D'accord. Oh, c'est quoi ça? Arrête! Sérieux? Depuis quand j'ai une mitrailleuse sur moi? On me l'avait pas dit ça? Oh bah ça va. Avec 64 munitions dedans et tout. Tranquille. Bon bah écoutez, on va y aller tranquillement hein. Allez, c'est parti, let's go. Vas-y. Ah bah avec ça mon vieux, tu peux y aller que je suis rassuré. Ouais ouais. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Un petit air de déjà vu. Ça me fait penser un peu au Titanic là-dedans. Ah d'accord, ok, elle est proche. Bon bah ouais, bah c'est ici hein.
Le nombre indique la distance jusqu'à la cible. Bon, bah ça doit être par ici. Ah, c'est verrouillé de l'autre côté. Bon, du coup, elle est... Eh bah voilà, c'est par ici. Evelyne ? Elle vomit. C'est toi ? Elle vomit ! Merde, je dois la réinitialiser. D'accord. Ah, Alan qui m'appelle. Comment ça se passe ? Pas terrible. Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahis par ces immondes petits copains si ça continue. C'est la gamine qui a vomi ça ? Il faut la trouver vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. C'est quand même pas Evelyne qui a vomi tout ça ? Si ? Non ? Bon, bah écoutez. Bah c'est plutôt sympatoche. On va sortir de là. Evelyne ? C'est toi ? Attends, on va ramasser ça. Tranquillement, voilà. Attends, je suis rentré par où, moi ? Ouais, non, je suis rentré par l'autre côté, ok. D'accord ! En fait, parce que Evelyne, c'est la gamine. On est d'accord ? Evelyne, au début, au tout début du jeu, je me souviens, on avait trouvé un papier comme quoi qu'il y avait les bottes d'Evelyne. Une fillette de 14 ans ou je sais plus. Donc, bah c'est Evelyne la cause du parasite alors, non ? Ok, bon, on se casse de là. D'accord ? Ah, ça par contre, je ramasse. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, je prends. Regardez, ça, je prends. Voilà, ok. On se casse de là. Ok, ok. Hop, 36, 37. Ouais, c'est par ici. Voilà. Ouais, à mon avis, il va falloir passer par ici. Oh, oui. Ah! Bah tiens, regardez-le, lui. Tiens, hop. Voilà. C'est pas parce qu'on a une mitrailleuse pétée de munitions qu'il faut tout utiliser d'un coup. Donc, malgré ça, on fait attention. Eh ouais. C'est... On va à l'économie. Qu'est-ce qu'il veut que je mette là-dedans? Eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc, on va continuer tranquillement. Ça, je prends. Les suppléments, ok. C'est parfait. Ok. Je vais par là. Ah, ok, d'accord. Evelyne, viens ici, Evelyne. Elle a pris l'ascenseur. On va appeler l'ascenseur bien tranquillement. Attends. Je vais voir si... non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux ? Vas-y. Putain, mais c'est pas vrai, toi. Mais non. Attendez, attendez. J'ai pas envie d'utiliser mes balles sur lui, là. Si, je vais pas avoir le choix. Vas-y. Allez, tiens. 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 Et. Tiens. Putain. C'est bon, là. Voilà. Oh. Quand même. Mais non. Mais c'est pas vrai, sérieux. Vas-y, dis-moi pas qu'elle va réapparaître. Oh, ça va être... À mon avis, il va falloir monter là-haut. Oh, en plus, il y a un fusible à prendre ici. On va voir. Alors, attends. Le 2, le 3, le 4. Bah, écoute. Oh, putain, bah, faut aller où? S2. Vas-y. Attends. J'ai pas une carte? Ah, bah, pas vraiment, non? Ok, je suis parti. On est parti au sous-sol, là. C'est ça, hein? Alors je sais pas du tout si c'est par là, c'est ça le problème. Putain mais non. Putain ils sont chiants quoi ces machins. Le truc c'est qu'ils me font bouffer toutes mes munitions quoi. Ça se trouve en plus c'est même pas par là qu'il fallait aller. Munitions je prends. Mais non. Mais non. Putain. Mais non! Mais je bouffe toutes mes munitions à cause d'eux là! C'est relou quoi! Attends, j'avais pas. Non, 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 j'avais rien à mettre. Ah, c'est quoi ça? Oh, arrête!
Des bombes télécommandées. Non, jure. Ça va être excellent, quoi. Putain, il y a encore des trucs là-bas et tout. Ah, ça c'est un petit peu relou, quoi. C'est chiant parce que... Attends, il descend de l'autre côté. J'ai pas envie de bouffer toutes mes munitions à chaque fois, là. Et je crois bien qu'il faut que j'arrête de faire le radin sur les munitions un petit peu. Mais... Voilà, viens ici, toi. Voilà, merde. J'en ai balancé une dans le vent, vous voyez. Voilà. Mais en fait, c'est même pas moi qui radin sur les munitions. Hein. C'est le jeu qui radin avec nous sur les munitions. Hein. C'est surtout ça. Toi, tu vas te réveiller, toi. Hein? Ouh, tu m'as pas l'air... Ouais, ouais, ouais. Ah, regardez. Elle est là-bas, Evelyne. Elle est par là. Ouais, 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 ouais. Elle est pas loin. Voilà, c'est par ici. Je pense que du coup... C'est là? Bah comment que tu veux que j'ouvre ça? Bah non, c'est pas possible. Merde, elle est derrière la porte, quoi. Alan, je crois qu'elle est de l'autre côté de cette porte. Mais je n'ai pas la clé. Essaie de faire fondre la serrure. T'es au niveau inférieur, c'est ça? Il est en train de crever, lui, ou quoi? Regarde dans nos affaires. Dans nos affaires? Et tu veux que je la fasse fondre avec quoi? Avec ça? Ah, peut-être avec ça. Attends. Attends, tu veux que je fasse fondre... Tu veux que je fasse fondre le truc avec quoi? C'est où nos affaires? Moi, je sais pas, j'en sais rien. Je peux pas faire fondre la serrure comme ça. Il est malin, lui. Attends. Attends, attends, attends. Je vais aller là-dedans. Voilà. Ah... C'est peut-être là, du coup. Je vais peut-être trouver un lance-flamme. Ou un truc comme ça. Ou un zombie va me sauter dessus. Non? Ah, corrosif. Yes. Ok, très bien. Donc ça, ça va... Donc ça, ça va être plutôt cool. Maintenant, avec le corrosif, je pense qu'il y a moyen... Ah bah en fait, voyez, toutes les portes comme ça, je vais pouvoir les faire fondre avec le corrosif, du coup. Ah yes, ok, d'accord. Ok, c'est plutôt cool. Elle est en face. Tu es fâchée contre moi, maman? Non, Evie, je ne suis pas fâchée. Attends, comment tu m'as appelée? Maman. Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie, je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. D'accord. Où es-tu, Evie? Mmh. Intéressant, intéressant. Alors attends. Où est-ce qu'elle est? De toute façon, elle est forcément pas loin, hein, donc... Où est-ce qu'elle va être, cette gamine, mon vieux? Oh, elle est là-bas. Elle est là-bas. Evie, attends! Saloperie. Saloperie. Est-ce que tu l'as trouvé? Ouais. Mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Chaud. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyne. Ça marche. Je vais la ramener. Mais du coup, ouais. Du coup, en fait, c'est Evelyne. Enfin, Evie ou Evelyne? Evie. C'est Evie qui fout la merde, j'ai envie de dire. Si je puis dire ainsi. Mais casse-toi! Voilà, dégage. Toi, casse-toi aussi. Ouais, c'est Evie qui fout la merde. En fait, c'est elle le parasite, quoi. Ça se trouve, c'est même elle qui a contaminé toute la famille et tout. Vous voyez, la vieille folle, le père, le psychopathe et tout, là. Oh, putain. J'aime pas ça quand il y a de la fumée comme ça, parce que... Ça peut surgir de n'importe où, vous voyez. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, on y va, tranquille. Allez, c'est parti. Dégage! Saloperie. Voilà. Tiens, prends ça. Allez, on... Non, non, non! J'ai pas le temps. Vas-y, on se casse, on se casse, on se casse.
Exit. Oh, petite connasse, va. Vas-y, vas-y, vite. Mais allez. Vas-y. Vas-y, 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 on va au... Au 2. Non. Ça fonctionne pas. Au 3 alors, vas-y. Vas-y, vas-y, let's go. Wouh. Bah c'était chaud. Oh. Système de verrouillage d'urgence activé. Oh, t'inquiète, je l'ai repéré direct, il y a une échelle d'urgence là. Vas-y. Attends. Ah, quoique. Je vais peut-être pouvoir ouvrir comme ça. Vas-y, on va monter. Intéressant. Alors attends. Il est là, Alan? Non. Non, il est plus là. Arrête. Evie upstairs. Evie est en haut. Ok, bon. Alan. Alan, où es-tu? Tranquille, tranquille, t'inquiète pas, on va aller le chercher. On va aller le chercher, il est en haut. Et bah c'est parti. Du coup, pour aller en haut. Ah ouais. Maintenant c'est un peu couillon, l'ascenseur ne marche plus. Ah, regardez. Je peux faire fondre ça. Je pense. Voilà, un petit peu de corrosif là-dessus. Pour ramasser quoi? Des bombes télécommandées. C'est plutôt sympa, je prends. Ok, let's go. Ça va être par ici. Ah. Saloperie. Ah, le salopard. Comment il m'a foutu les boules? Casse-toi. Voilà, dégage. Oh, ouh, j'ai l'impression que je me lâche un peu là sur les munitions là. Vous voyez? Ça me ressemble pas ça, mais bon. Il me reste un truc de corrosif. Je sais pas si je fais bien de tous les utiliser comme ça. Parce que je sais que j'avais vu des portes à ouvrir avec. Encore des bombes télécommandées. Ok. Bon. Non, c'est verrouillé de l'autre côté. Attends. Voilà. Non, bah comment qu'on va faire là? Alors attends, par ici. Ah ah. Oh. Tiens, dégage toi. Saloperie. Voilà, putain, ils vont être combien à venir de par ici là? C'est bon là? Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir ici? Non, il n'y a pas moyen. C'est dommage. Ah, regardez voir. J'avais pas vu ici, il y avait un petit passage. Attends. Ça emmène où ça? Où est-ce que ça m'a emmené? Ah ok, nickel. On va pouvoir monter du coup par là. Ok. Troisième, on y est. Allez, vas-y, elle est pas loin. Elle doit être par là. Où te caches-tu? Elle doit être par ici. À mon avis. Oh, c'est qui? Alan! Alors, mon vieux? Ça va? Comment es-tu arrivé ici? Oui, oui. Oh, lui, il est contaminé. Elle est hors de contrôle. Il est contaminé, lui. Son détérior. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Eh non, dis pas ça, mon vieux. Bah tiens, tu vois. Dis la même chose que moi. Elle te fait confiance. Cette petite personne, machin. Oh non, attends. Evie, non, Evie. Evie. Alan, je voulais pas. T'as fait comme ça. Elle essaie de prendre le contrôle. Tu dois la combattre. Est-ce que je vous laisse? Ah ouais, donc c'est la gamine qui fait que tu te transformes en espèce de psychopathe, tu vois. Evelyne, arrête. Arrête ça tout de suite. Ah ouais, chaud. Wouah. Tiens. Les bottes d'Evelyne, on les avait trouvées. Non. Et c'est ainsi que Mia... Voyez? On comprend l'histoire du coup là. Non? Ah non, toujours pas?
J'allais dire c'est ainsi que Mia se retrouvait dans la famille, mais... Ah ouais, vous voyez ? Là, on est contaminé, là. Là, Mia, à cette époque, elle était déjà contaminée, du coup. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée un peu chez les fous, vous voyez ? Alors ? Ah, bah oui ! Au tout début du jeu, elle nous laisse un message sur l'ordinateur. Regardez, je suis sûr que c'est là. Non ? Si, c'est obligé. Elle va dire Ethan si tu vois cette vidéo, machin, au tout début du jeu. Je pense, hein. Voilà, tiens. Ethan ? Tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci, reste à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Tu vois ? Et sois heureux. Ouais, du coup, c'était ça. En fait, on en revient. Le pourquoi du comment elle s'est retrouvée dans cette situation, elle. C'est le message du tout début. Oh putain, j'ai utilisé tous mes corrosifs. Ah non, c'est bon. Nickel. Vas-y, vas-y, on se casse, on se casse. Allez, c'est parti. Let's go. Non. On va être ensemble. Putain, comment il m'a foutu les boules. Non. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est parti, là. Ça y est ? On a fini le jeu, là ? C'est la fin ? Non. Tu te souviens, maintenant ? Oui ? Oui, Evelyn. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant ? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Wow. Ok, d'accord. Et on se retrouve ? Ah ok, d'accord, putain, ce délire. Bon écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette partie sur Resident Evil 7. De toute façon, je vous le dis, la suite arrive tout de suite derrière parce que là, je vais la jouer maintenant. C'est juste pour pas faire des vidéos qui durent comme la dernière fois pendant 2 heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, pourquoi pas la partager. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur les petites vidéos sur les côtés, vous abonner et tout si c'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous avez un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers, ça aussi c'est cool. Sur ce, je vous dis, eh bien à très vite pour la suite du coup. Ciao tout le monde, bye!